Bonjour, je vous présente le jeu d'aventure le plus court qui soit dans l'histoire des jeux d'aventure sur Thomson. Ça s'appelle Oxfar, édité par R Informatique en 1987. Voilà, on a l'écran de présentation. Il y a la version pour Thomson TO8, MO6 et une version pour Amstrad. La version pour Amstrad, elle agit avec des commandes saisies au clavier. Alors que la version Thomson, elle, c'est juste des choix multiples. Vous voyez, on commence déjà l'aventure. Alors, je vais chronométrer à partir de là. Et vous allez voir qu'en fait, le jeu est très rapide. Donc, je tape 1, oui. Donc, je tape sur 1. Donc, je chronomètre. Hein. Donc, j'obéis. Je tape sur 1. Je fuis, donc je tape sur 2. Donc je ne vais pas vers l'est parce que je tombe dans un piège, je vais vers l'ouest. Et là j'ai des points de vue qui défilent, mais bon ça va, c'est acceptable. Une porte de pierre, un stupide. J'accepte. Donc j'adapte sur 1. Donc j'accepte là aussi, je tape sur 1. Je perds 10 points de vie. Donc j'appuie sur 1. Dans ma raie où tu te nourris. Alors, tue les cartes. Pour perdre moins de vie, parce que si je l'avale, eh ben, je perdrai plus de points de vie. Le temps passe, tu t'affaiblis et perds énormément de temps. Ainsi, appuie sur 1. Alors lui, on implore son pardon. Tu perds 4 points de vie, mais pas lui, pitié de toi, déteste ta vie sauve. Voilà, j'appuie sur 1. Tu reprends ta route, j'appuie sur 1. Dans le bois, j'ai une épée magique nommée Drama. Que fais-tu? Je veux l'épée, je prends 1. J'obéis parce que sinon la foudre va me tuer. J'appuie sur 1. Là, je prends le chemin de l'eau, 2. Je me repose un peu, 2. Oui, je possède le manteau puisque les deux jumeaux me l'ont donné. J'appuie sur 1. Je regarde l'épée longuement. J'appuie sur 2. C'est beau qu'il faisait la pierre. Tu écoutes Druman le sage. Donc j'appuie sur 2. Druman, c'est l'arbre. Hein. Alors je prends 10 points. J'appuie sur 1 toujours. Tu acceptes. J'appuie sur 1. Et voilà. Le jeu est fini. En 2 minutes 15. C'était Oxfar, c'est la version Thomson TO8 et MO6. Alors je pense que c'est. Je suis pas sûr que ce soit en mode bitmap 16. C'est plutôt du mode TO7. Et la version Amstrad est beaucoup plus élaborée. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.